Nous avions nous défini trois dispositifs pour pouvoir accueillir le président. Et il y a eu toute la diaspora autour de lui. Depuis l'hôtel Brissol à Paris, nous sommes à l'attente de l'arrivée du chef de l'État. Il a l'amour envers son peuple. Actuellement, son Excellence, M. Gentili Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, est arrivé à l'hôtel Brissol. Le président avait envoyé une équipe d'avance. Cette équipe d'avance, on a dû travailler avec eux. Nous sommes ici beaucoup plus pour organiser un peu la diaspora congolaise. Quand les gens, la délégation de Kinshasa est arrivée le week-end dernier, ils ont tout chamboulé. Voilà, les cortèges du couple présidentiel vient de quitter les Champs-Élysées. J'étais parmi les organisateurs directs avec l'ambassade. Les couples présidentiels saluent la diaspora congolaise réunie ici à la salle des conférences de l'hôtel Brissol. Vous voyez l'engouement vous-même, vous êtes témoin de l'engouement, plus que chaleureux. Le chef nous donne tous une très bonne impression. Voilà, ici au Doc Eiffel Paris-Aubervilliers, la diaspora congolaise a répondu présente. On se souviendra très longtemps de ces moments fraternels avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Si on aurait été de l'autre côté, ce ne serait pas passé comme ça. Nalembi mboko yo, 36 ans, nangina zonga mama. Applaudis la sortie du couple présidentiel. Voilà, les couples présidentiels quittent la salle de Doc Eiffel où s'est réunie la diaspora congolaise. Bienvenue au grand format des classes affaires et merci pour votre fidélité. Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré la diaspora congolaise ici à Paris le 11 novembre 2019 au Doc Eiffel Paris-Aubervilliers. Quel est alors le bilan de cette visite? Les représentants des associations, des partis politiques et les ministres conseillers de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, M. Raymond Chimba, ont accepté de répondre à nos questions. Voici maintenant Paris, un reportage de Frédéric Nzinga pour Sky Media en partenariat avec B1 Télévision et sans oublier le soutien appuyé des Triphase Protection. Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Nous sommes au 32 cours Albert Ier, Paris 8e. C'est l'ambassade de la République démocratique du Congo. Ce matin-là, toutes les associations et les partis politiques enregistrés sont conviés par le chargé d'affaires, Son Excellence Jean Tabou, pour préparer la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi avec la diaspora congolaise. Vous savez, d'abord, à Paris, il y a pas mal d'organisations, que ce soit les associations, le parti politique et les fondations, et bon, tout un tas de regroupements. Et nous avons pensé dès le départ, inviter les groupes. Nous avons commencé par les partis politiques. Le CASH, c'est-à-dire l'UDPS et les autres partis, on les a invités, on a discuté avec eux, ils nous ont donné leur point de vue. Nous avons invité les gens de FCC, qui sont venus, ils nous ont donné leur point de vue. Nous avons été au préalable invités par les chargés d'affaires, M. Jean Tabou, qui nous a concerté largement avant l'arrivée du chef de l'État pour qu'on puisse lui soumettre nos besoins. C'est depuis des mois que nous avons travaillé de dur labeur, donc on s'est donné vraiment à fond parce que nous sachions très bien, au vu des éléments, des événements précédents 2018 ainsi que début 2019, nous savions très bien qu'il pourrait pu avoir des bavures. Pour organiser cela, nous avions besoin de cette maison qui est l'ambassade, la maison mère du Congo. Nous avions besoin aussi des associations congolaises qui pullulent ici en France pour leur dire venez accueillir votre président. Les Congolais attendaient la venue du président Félix et ils souhaitaient vraiment l'entendre et le faire sentir cet amour qu'ils avaient de recevoir, d'accueillir enfin un président du Congo. Et nous avons à ce moment après invité les associations culturelles, les associations, les fondations politiques, tout ça. Ils sont tous venus
Et à la fin, quand nous avons su leur point de vue et leur desiderata, et on leur avait tous demandé de faire un mémo. Et ces mémos devaient nous permettre, nous, à préparer un document pour remettre au chef, afin qu'il puisse s'adresser à la communauté comme réponse à tous ces desiderata et tous ces questionnements qu'il s'est posés dans les mémos. Et c'est ce qui a été fait. Et puis à la fin, je crois que vous avez participé à cette grande réunion qui était derrière, où nous avons réuni tout le monde, que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations, et on est partis tous sur un seul objectif, l'accueil du président dans l'Union. Mais voilà, l'ambassade a sous-estimé la mobilisation des associations et partis politiques. Vite débordée, l'ambassade réagit en invitant les représentants des associations et des forces politiques à la réunion stratégique avec les chargés d'affaires, Son Excellence Jean Tabou. Selon le groupe, je demanderai pour chaque association, chaque plateforme, la responsable de chaque plateforme. Je vais vous installer dans une salle et tous les autres accompagnateurs resteront ici pour une réunion particulière pour voir si ça prend une réunion stratégique. Voilà, comme vous le constatez, beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour cette réunion repartent très déçues de ne pas pouvoir assister à la réunion. Tandis que les responsables des associations, des forces politiques sont convoqués à la réunion stratégique à huis clos avec le chargé d'affaires, Son Excellence Monsieur Jean Tabou, dans la salle annexe de l'ambassade. Avec l'ambassade, nous avons travaillé plus la mobilisation et la sécurité. Et l'ambassade, c'était plus la partie administrative. Donc, c'est-à-dire la location des salles, des hôtels et tout. Bon, voilà. Donc, de l'autre côté, je dirais aussi les badges, tout ça. C'est l'ambassade qui a vraiment pris, qui a pris ça en charge. Donc, je les remercie. Donc, un coucou aux chargés d'affaires, à M. Chimba. Donc, voilà. Donc, nous avons été avec vous aussi à Agnières. Donc, nous avons été à Lyon. La mobilisation, nous avons été à Lyon, à Lille, à Compiègne. Quand nous avons appris que le président Félix devait venir faire sa tournée européenne, commencer par la Belgique, ensuite par la France, nous sommes préparés. Nous avons mis en place un mémorandum que nous lui avons transmis via ses chargés de mission et ses ministres. Et dans ce mémorandum, nous lui faisions part un peu de l'angoisse de la diaspora, des désirs de la diaspora, du fait que lui-même est un ancien de la diaspora. Et nous avions donné quelques éléments qui nous avaient été suggérés par la population congolaise, notamment le coût de la douane congolaise pour permettre à la diaspora d'investir massivement en République démocratique du Congo. Et également au niveau de... Vous savez que nous avons fait beaucoup d'actions assez musclées au niveau de la diaspora et nous avons des fiches d'interdiction. Nous avons attaqué de près physiquement les anciens dignitaires de la République démocratique du Congo, de ce régime. Et nous avons donc demandé au président Félix de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire à ce niveau-là pour que nous puissions retourner dans notre pays librement, sans aucune crainte. Six jours avant la rencontre du président avec la diaspora, l'équipe d'avance de la présidence arrive à Paris. Le président avait envoyé une équipe d'avance. Cette équipe d'avance, on a dû travailler avec eux en leur disant, voilà, c'est que la communauté souhaiterait, voudrait peut-être poser des questions. Nous avions, nous, défini trois dispositifs pour pouvoir accueillir le président. Un, les dispositifs d'accueil qui concerne l'arrivée du président pour l'accueillir sur les tarmacs. Et nous avons défini les dispositifs de sécurité qui était au cœur même de toutes nos discussions. Les derniers dispositifs, c'était les dispositifs de jouissance. Comment le président va rencontrer les Congolais. Moi-même, je l'ai vu en face. On a parlé sur les besoins, sur l'état des lieux, sur ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé finalement? Pour éviter toute ambiguïté autour de ce projet qu'on avait élaboré, j'ai déclaré auprès de Paul, qui est donc une personnalité dans l'organisation du chef de l'État. Donc je lui ai précisé que j'adoptais tout simplement ce projet qui a été soumis, qu'on lui avait soumis.
quelques minutes avant le début de la réunion. La présence de la presse n'est plus autorisée. Nous apprendrons plus tard l'existence des divergences majeures entre eux concernant l'organisation. L'IDPS que je dirige avec la section de Paris et toutes les autres sections, nous avons participé dès le début jusqu'à la fin. Ceux qui sont venus à Kinshasa devaient seulement trouver, prendre en main ce qui était fait. Nous avons commencé à organiser d'abord un accueil. L'accueil, nous sommes dit, nous devons aller à l'aéroport pour pouvoir accueillir le président. Dans un premier temps, nous sommes décidés de partir à l'aéroport. Qu'est-ce que nous avons décidé? De louer des bus qui va nous conduire de l'ambassade ici jusqu'à l'aéroport au Bourget. Et de Bourget, nous retournons à l'ambassade et accompagner le président jusque dans son hôtel. Mais ça n'a pas été fait ainsi. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus de Kinshasa nous ont dit non, les choses ne se feront pas ainsi, puisqu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour pouvoir louer des bus, ou il n'y a pas suffisamment de moyens pour pouvoir déplacer les gens. Donc il faut se limiter qu'à l'hôtel et à l'ambassade, et non pas à l'aéroport. Nous l'avons fait au minimum, dans la grande salle de l'hôtel, où nous étions en rond, en cercle. Il est venu, il a salué chacun de nous chaleureusement, et chacun était content, joyeux de pouvoir le voir. Depuis l'hôtel Brissol à Paris, nous sommes à l'attente de l'arrivée du chef de l'État et ce voyage rentre dans le cadre du sommet de Paris sur la paix. Et le 11 novembre, Son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi, va rencontrer la diaspora congolaise. Actuellement, Son Excellence, M. Gentili Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, est arrivé à l'hôtel Brissol, accueilli par le député Jean-Marie Lukulasi. C'est le signe de l'arrivée imminente du président de la République. Voilà, les cortèges du couple présidentiel vient de quitter les Champs-Élysées pour l'avenue Matignon. Et bientôt, les cortèges présidentiels arrivent au faubourg Saint-Honoré où se trouve l'hôtel Brissol. Voilà, les cortèges arrivent au faubourg Saint-Honoré devant l'hôtel Brissol. Vous voyez, le président vient de descendre. Le couple présidentiel est accueilli par les directeurs et le personnel de l'hôtel. Et ils se dirigent maintenant vers les enfants qui vont leur souhaiter bienvenue en France. C'est un moment important pour les enfants parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de leur souhaiter bienvenue depuis l'aéroport. Les organisateurs ont souhaité que cette cérémonie se passe ici à l'hôtel Brissol où s'est réunie en petit comité la diaspora congolaise pour accueillir les couples présidentiels. Voilà, les couples présidentiels vont maintenant se diriger vers la salle des fêtes où s'est réunie la diaspora congolaise. Le président de la République et la distinguée première dame. Les couples présidentiels saluent la diaspora congolaise réunie ici à la salle des conférences de l'hôtel Brissol pour les accueillir. On note la présence des hauts fonctionnaires de l'État, les représentants des forces politiques, les associations, la presse, les membres de la famille, les amis aussi qui ont combattu avec le président Félix ici en Europe. Comme vous le savez, le président Félix Antoine Tshisekedi et Madame Denise Nyakeru Tshisekedi ont passé une grande partie de leur vie ici en Belgique. Voilà. Voyez, Monsieur Jules Kayembe de l'ambassade de la RDC en France. Monsieur Franck Tendai Luabu, les consuls à Birmingham qui a fait le déplacement pour Paris et puis Londres. Voilà, on voit Madame Brigitte Kalalo qui prend son temps à expliquer à la première dame son projet, on l'espère.
On note la présence de Monsieur Amissi, Monsieur Nicolas Wetch, qui représente le FCC ici en Europe. Voilà, les partis politiques sont là. Voilà, les couples présidentiels a pris son temps de saluer toute la diaspora congolaise ici présente. Et maintenant, ils vont prendre le temps aussi d'aller se reposer. Il faut savoir qu'ils ont quitté Kinshasa ce matin. Leur avion a atterri à l'aéroport de Bourget aux environs de 16h. Et c'est seulement vers 19h qu'ils sont arrivés ici à l'hôtel Bristol. Nous passons ici à l'hôtel Bristol, un moment historique. Beaucoup sont émus de saluer enfin les présents Félix-Antoine Tshisekedi et Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Un moment historique. Vous ont tenu compagnie toute l'équipe de Sky Media en partenariat avec B1, sans oublier Faustin Massola qui nous a assisté avec un soutien appuyé de Triphase Protection. Je vous laisse maintenant découvrir les impressions que nous avons recueillies à la fin de cette cérémonie. Non, mais le chef nous donne tous une très bonne impression puisque vous savez, c'est quelqu'un qui se bat avec trop d'amour pour le Congo. Donc on doit se le mettre très content quand on le voit. L'impression est très positive. Bon, moi je suis à Birmingham en Grande-Bretagne. C'est vrai, je sais qu'après l'Europe ici, le président ne manquera pas de visiter la Grande-Bretagne puisque c'est aussi un grand pays sur l'échiquier européen. Oui, il est arrivé. C'est un homme qui aime son peuple. Hein, il éprouve partout où il va. Hein, le peuple l'aime aussi parce qu'il aime ce peuple-là. Il a l'amour envers son peuple. Vous êtes satisfait de l'accueil ici en France ? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, on vous prend pas. Merci, merci. J'ai vu que la diaspora congolaise, surtout de Paris, a répondu présent pour accueillir le président. Et c'est une bonne chose pour l'encourager dans ses démarches. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à sa visite ici ? Les attentes sont simples. On souhaiterait que l'environnement économique puisse être sain, qu'il puisse nous préparer le terrain, nous qui sommes créateurs d'entreprises ici en Europe, pouvoir créer des entreprises au Congo dans les meilleures conditions. Mais déjà, il faut que son staff fasse en sorte que les entrepreneurs qui sont ici en France, de la diaspora, puissent voir le président. Voilà, ça c'est super important. Son staff organise vraiment un bon rendez-vous pour nous, les entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs congolais qui sont ici à Paris, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose au développement ou à l'économie congolaise ? Bien sûr, bien sûr. Si on travaille en France, moi ça fait depuis près de 7 ans que j'ai créé Triphase Protection, bien sûr. Au Congo, pourquoi pas ? Bien sûr que si. Aujourd'hui, c'est que je demande au président de la République de faire en sorte que notre représentation soit tout d'abord une représentation basée sur le respect des Congolais de France, parce que nous sommes en France. Les Congolais de France constituent une vraie richesse. Et c'est la vraie richesse qui est ici. Et c'est cette richesse, la France, étant donné que la France était une grande puissance coloniale, la France a quand même encore aujourd'hui, à travers le monde, un certain prestige. Et le fait de bien organiser les Congolais de France, ça prendra aussi par rapport aux autres pays où se trouvent des Congolais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelles sont vos impressions à l'arrivée du chef de l'État ici à Paris ? Plus que chaleureux. Vous voyez l'engouement vous-même, vous êtes témoin de l'engouement, plus que chaleureux. Je suis vraiment content de la participation de tous les Congolais, tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour l'accueil. Et voilà, les résultats sont là. Il est devenu le symbole de l'unité nationale. Et que chaque citoyen, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir, de la majorité, soutenons-le, afin que notre pays change. Au moment où le chef de l'État essaye de faire sortir le pays du fond là où nous sommes, nous ne pouvons que l'encourager. Écoutez, c'est une joie parce que dans l'État, dans la situation actuelle de la politique telle qu'elle se présente de notre pays, c'est vraiment une joie pour toute la diaspora congolaise de voir que son président arrive et que cet engouement et que cette population, c'est-à-dire, réponde à chaque fois que le président se rende en fait sur le territoire français par exemple et pourquoi pas en Belgique. C'est vraiment un plaisir pour tout le monde
Et voilà, ça prouve qu'aujourd'hui, il y a une communion entre la diaspora congolaise et les autorités de la République démocratique du Congo. Depuis les Dokofel, Paris, Aubervilliers, la diaspora congolaise a répondu présente pour rencontrer et écouter le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais auparavant, cette rencontre a été préparée. Je propose donc de comprendre comment la diaspora congolaise et l'équipe d'avance de la présidence ont préparé cette réunion. En ce qui concerne l'organisation officielle, la République française qui organise, nous sommes ici beaucoup plus pour organiser tout ce qui est communautaire, c'est-à-dire organiser un peu la diaspora congolaise, parce que le président va aussi s'adresser à la diaspora congolaise. Mais de ces côtés-là, tout est bien organisé. Nous attendons demain, le président va s'adresser à la diaspora congolaise de l'Europe, parce que les gens vont venir un peu de partout, de la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, ils seront ici. Le président va s'adresser à eux parce qu'il a un mot à leur dire, et la diaspora congolaise aussi a envie de voir son président et de l'écouter aussi. Je crois que dans cette salle, il y aura bien les entrepreneurs congolais, il y aura les étudiants congolais, il y aura la corporation des mamans congolaises et tant d'autres. Donc ils seront tous là pour écouter le président. S'ils ont aussi quelque chose à dire au président, je crois ils vont déposer leur mémo entre les mains de différents conseillers qui sont de l'équipe de la délégation. Nous étions surpris de voir ceux qui sont venus de Kinshasa. Quand l'équipe de Kinshasa est venue, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont tout balayé, ils ont fait des revers de la main. On s'est dit, mais pourquoi? Il fallait se battre, il fallait discuter longtemps, alors qu'ils ont dit non. Ils ont une équipe de sécurité qui vient, qui les gens qui sont là, mais les responsables sont à Kinshasa. Alors, le débat était là, quand vous êtes venus, vous avez trouvé avec le débat avec Paul et les autres. Nous débattions pour que ce que nous avons fait, tracé comme ligne de conduite pour la sécurité, soit mise en place. Mais eux, ils sont venus avec des gens qui sont des Congolais comme nous, qui ont les torses bombés, parce qu'ils sont sportifs, ils sont judoka, ils sont karatéka. Or, dans ce genre d'exercice-là, ce n'est pas la torse qui compte, c'est la tête. C'est la tête. Mmh. Voilà. Mais ils étaient à combien? Et quand ils sont venus, on ne connaît même pas le nombre de ces gens qui sont venus. On ne connaît même pas le nombre. Mais c'était peut-être la sécurité rapprochée du chef de l'État. Non, puisque le chef de l'État lui-même a sa propre sécurité. Effectivement, nous avons été déçus. Pourquoi? Parce que nous nous sommes suffisamment mouillés pour cette organisation, pour la réussite de cette organisation. C'est ainsi que nous sortons déçus, parce que les services que nous avons obtenus n'étaient pas celui qu'on avait espéré avoir. Mais avec toute mon équipe, j'ai eu des victimes dans mon équipe, donc agressées physiquement et qui ont eu à perdre suffisamment leurs effets personnels. Donc nous sortons déçus parce qu'on n'a pas été accompagnés suffisamment, même pas suffisamment d'ailleurs. Nous, on veut remonter l'information au niveau de la présidence, que le président soit au courant de cette situation, que ça ne se répète plus. Nous étions ridiculisés, nous n'étions pas considérés. Tout le travail que nous avions entrepris, quand les gens, la délégation de Kinshasa est arrivée le week-end dernier, avant une semaine, avant le 11, ils ont tout chamboulé, ils ont tout annulé, ils ont tout recommencé. Et pourtant, nous avions fait un gros travail avec les cadres de l'IDPS, avec toutes les associations qui ont participé. Malheureusement, ça n'a pas été considéré. Et vraiment, on s'est senti humilié, lésé, parce que nous avions fait 3 jours. Nous allons des allers-retours à l'hôtel du président, c'était vraiment ridicule. Et à chaque fois, on nous sortait de dehors comme si on était des malpropres. Et ça, franchement, on déplore cette situation. Alors, ce qui est à déplorer est que, malgré l'organisation, moi, je parlerai plus du côté presse. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on avait dit, tout ce qui a été dit lors des réunions, n'a pas été respecté. Nous sommes restés pendant très longtemps au Bristol Hotel dans le 8e et on a été vraiment humiliés à un niveau incroyable. Alors nous n'étions pas contents. Mais si vous vous dites que non, vous êtes là pour le changement et que pour des petites choses, vous n'arrivez pas à être franc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc côté presse, on a été déçus. Mais vous avez eu des badges? Si, on a eu des badges. Mais ce qui est encore à déplorer est que
il y avait des personnes qui sont amenées avec plusieurs badges. Tu vois une personne qui ramène des badges pour sa femme et ses enfants, pendant que les gens qui ont besoin de ces badges-là restent à l'extérieur. Il y avait des gens qui sont venus comme étant des membres de famille du président, mais en réalité, ils n'avaient rien à voir avec ça. Vous voyez, donc ce sont des petits désordres, des bas étages, ça ne sert à rien. Donc, quand on est adulte, alors il faut se comporter comme tel. La délégation qui est venue de Kinshasa, ils croyaient que les gens étaient là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour l'argent, je ne sais pas. Mais nous, on était là par l'amour pour notre président, c'est tout. Et c'était aussi le président, hein? C'est la sécurité du président aussi. Est-ce que vous avez tenu compte de ça pendant vos réunions? Mais s'ils protègent les présidents, nous, on n'a pas de problème avec nous. Personne n'était allé voir pour dire que vous allez demander. Pour voir un président, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme si vous allez voir votre ami. Il y a des protocoles à suivre. Là, il n'y a pas de souci. C'était par rapport à l'organisation, au fait. Après, quand on a tout fini, là, moi, ce n'est pas les présidents qui allaient nous remercier parce que les présidents n'étaient même pas là. On ne pouvait même pas les voir. Mais quand les gens viennent pour voir, peut-être, il faut expliquer les gens qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il est maintenant président. Ce n'est pas la personne que vous connaissez avant. Aujourd'hui, c'est un président de la République. On les voit pas n'importe comment. Mais alors, il faut avoir une façon, une diplomatie. Comment parler aux gens? Les gens vont comprendre. Écoutez, au niveau de l'organisation, je pense que ceux qui ont organisé la venue du président ont joué un peu dans la précipitation et un peu dans un désordre, on va le dire franchement, parce qu'il ne faut pas non plus mâcher ses mots. Si on veut se perfectionner, je pense qu'il faut entendre la critique. Si nous étions de l'autre côté, si nous n'avions pas soutenu le président Félix Tshisekedi, cette conférence n'aurait pas eu lieu. Il y a eu un énorme loupé au niveau de la sécurité. Dans cette doc Eiffel, il y a quelques années de cela, nous avions empêché fortement la conférence de Paul Kagame. Dans ce même doc Eiffel, il y a eu la conférence qui aurait pu se faire de Jean-Pierre Bemba, dans laquelle nous avons aussi réussi à bloquer qu'il ne se fasse pas du tout. Donc ça veut dire que nous avions les éléments pour bloquer cette conférence. Donc Dieu merci pour les organisateurs, que nous, le RCK, nous n'étions pas contre le président Félix Tshisekedi. Et c'est ça qui a permis peut-être que cela n'aille pas plus au-delà de ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même eu du sabotage, il y a eu des personnes qui ont été violentées, il y a eu des véhicules qui ont été cassés. Donc il y a quand même eu des choses qui se sont faites et qui auraient pu dégénérer parce que la sécurité n'a pas été à la hauteur du président. Je vous assure que ceux qui connaissent le RCK, si on aurait été de l'autre côté, ça ne serait pas passé comme ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de failles, mais énormément de failles au niveau de la sécurité. Donc en réalité, il n'y avait pas un accord ou une coordination entre l'équipe qui est venue de Kinshasa et le programme que vous avez fait ici. Oui. Au départ, il y avait l'accord, puisque nous sommes passés par l'ambassade. Nous avons eu des réunions avec le chargé d'affaires, avec son équipe. Les choses allaient se faire d'une façon agréable, sans problème. Mais comme il y avait ceux qui sont venus de Kinshasa, ils ont tout déclassé, ils ont balayé les réveils de la main, ce que nous avons fait. Maintenant, c'est à nous maintenant de pouvoir organiser autrement. Alors nous avons gardé quand même une équipe avec Issa comme responsable, pour gérer un tout petit peu les paquets de sécurité, et ça a été fait comme vous l'avez vu. Mais peut-être aussi, ceux qui viennent de Kinshasa, ils connaissent la réalité, ils sont avec le chef de l'État. Ils ne peuvent pas venir ici et puis que vous les imposez votre programme. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le président vient chez nous, il vient chez nous, dans notre maison à nous. Il est venu en France. Nous ne sommes pas allés, nous, à Kinshasa. Il est venu en France. C'est à nous, en France, d'assurer sa sécurité et de préparer sa venue comme il faut pour l'accueillir. Mais bon, dans l'ensemble, la sécurité, ça s'est bien passé, si on peut dire. Si. Bon, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, comme il n'y a pas trop de casse, il n'y a pas des gens qui sont blessés ou morts. Donc, ça tient. Mais ce que nous voulons, c'est que la sécurité soit au top. Fatima!
Voilà, ici au Doc Eiffel Paris-Aubervilliers, la diaspora congolaise a répondu présente. On se souviendra très longtemps de ces moments fraternels avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Félix n'oublie jamais, papa dit le peuple d'abord. C'est le message de l'opposant historique qu'a connu notre pays, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui n'est d'autre que le papa de Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisé et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Ainsi, après Bruxelles il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les Congolais. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Alors parlons de la jouissance. Donc vous avez aussi organisé, c'était le troisième point. Comment avez-vous pensé que la diaspora congolaise se rassemble et passe ces bons moments avec le président? Voilà, ce qu'on a fait, toujours dans le cadre des préparatifs, là, on a convoqué toutes les associations. On a dit aux associations, parce que les gens voulaient avoir des entretiens particuliers avec le président. Moi, j'ai dit avec 5000 personnes, c'est impossible que le président puisse répondre à tout un chacun par rapport à une question donnée. On s'est dit, on va devoir demander à toutes les associations de pouvoir nous faire parvenir un peu comment dire, leurs besoins, leurs désirs, ce qu'ils veulent voir se réaliser au Congo par rapport à ce qu'on font. Appelle les mémos. Les mémos. Voilà. Le président lui-même a regroupé intellectuellement, d'ailleurs, je le félicite pour cela, comment répondre à chacun des questions, des besoins ou des désirs de la diaspora. Au départ, quand nous avons commencé venant de Belgique, nous nous sommes dit il y a eu des erreurs en Belgique, nous allons faire le mieux possible. Et c'est ainsi que nous avons mené campagne bien avant sur le réseau, sur le net, sur les télés et les affichages. Et faire de porte à porte parfois aussi, dans des réunions publiques, on arrivait à mobiliser les gens. Et le jour J, nous étions là de bonne heure pour nous organiser afin que la journée se passe d'une manière parfaite possible. J'étais parmi les organisateurs, j'étais un parmi les 5 collaborateurs directs avec l'ambassade. Donc normalement, au niveau stratégique, comme moi je suis un événementiel, j'ai tellement basé sur tout ce qui est les stratégies qu'on utilise pour que l'événement doit être réussite. Au niveau d'affiches, au niveau des médias, et au niveau aussi le faire porte à porte, et quelle façon faut transmettre les messages pour capter les gens, pour capter nos compatriotes congolais. Et je suis fier de ça parce que nos compatriotes avaient capté les messages, et les jours là vraiment il y avait une réussite totale. Nous étions dans l'organisation, c'est les associations qui ont fait à ce que cet événement soit une réussite. Parce que nous avions travaillé pendant un mois et demi. J'avais mobilisé mon équipe, le membre d'MPF, pour pouvoir participer au protocole et à la sécurité dans la salle pour accueillir le président. Et aussi, je suis de la presse web, internet. Du coup, j'étais aussi en tant que journaliste web pour pouvoir couvrir cet événement.
Nous avons été dans l'organisation avec nos propres moyens. Donc, je précise encore une fois que si ça a été une réussite de notre côté, donc du côté de FCC, c'est parce que nous nous sommes organisés avec nos propres moyens. Nous avons réussi à l'organisation que nous avons souhaité tous une réussite. Ce que nous avons fait, ça a quand même réussi. Tout le monde a pu avoir son macaron. Tous ces gens qui ont pu assister, il y a eu ces systèmes qu'on a pris presque le même système comme à Bruxelles, où il fallait que les gens qui voulaient aller assister à la rencontre avec le président devraient s'inscrire. Et à partir de là, ils ont eux tous imprimé leur leur papier d'entrée, et ça a réussi, et nous étions étonnés. On a eu plus de 4000 inscriptions. C'est beaucoup quand même. La salle, il y a eu plus de 4500 personnes. La salle était c'était plein. Voilà l'organe. Mais on voudrait améliorer. S'il y a une deuxième fois, on pourra faire encore plus mieux pour que ça se passe dans les cases. Dans le nord de Paris, près de 500 opposants congolais se sont donné rendez-vous. Pitcho Chomongo fait partie de ceux qui ont battu le rappel. Ils sont où les amis pour le drapeau ? Le drapeau du Congo ? Moi Poussana. Direction donc la salle où Félix Tshisekedi doit prendre la parole. Mais ils n'iront pas plus loin. Un cordon de policiers leur barre la route. Les esprits sont surchauffés. Très vite, des partisans de Félix Tshisekedi sont repérés et quasi lynchés par la foule. C'est vrai, on ne peut pas interdire aux gens de revendiquer. Et en plus, la démocratie étant, nous sommes dans un pays vraiment démocrate et libre. Et la liberté d'expression ici en France, c'est la patrie de la liberté. On ne peut pas les empêcher, mais ils ne peuvent pas commencer à trop pousser. Vous savez, ils étaient avec lui dans l'opposition. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils redeviennent opposants de celui qui était avec eux? Ils voulaient faire partir le président Kabila. Kabila est parti par les élections. Ok, ils ont fait une passation de pouvoir unique et une expérience unique. Hein. Aujourd'hui, il y a cette coalition qu'il faut voir comment ça va aller. Mais déjà, vous commencez à vilipender les gens, à faire n'importe quoi. Ils ont cassé le véhicule d'un pauvre citoyen congolais qui vit en Belgique, qui est venu avec sa famille pour venir écouter le président. On a cassé sa voiture, mais tout ça, ce n'est pas bon. Comment voulez-vous que les autres nations nous respectent si nous ne voulons pas respecter nos propres autorités? Les gens qui ont manifesté, si réellement ils n'ont pas été envoyés, payer pour créer ce climat que nous avons eu ces jours-là, je pense qu'ils n'ont pas raison de continuer à faire ou à afficher ces comportements. Je demande à ces gens-là d'éviter, parce que nous avons beau attendre ce moment. C'est un moment que tous les Congolais attendaient pour que réellement on se dise, au moins avec Félix Tshisekedi Tshilombo, nous pouvons avoir 5 bonnes années à venir. Donc c'est vrai que quelque part, la diaspora s'est battue durement. On a fait des sacrifices, on a eu à être jugé dans des tribunaux, on a eu à être gardé dans des gardes à vue, on a eu à faire des prisons, on a eu à marcher dans le froid, des kilomètres et des kilomètres, sous la neige, sous la pluie, pour que la République démocratique du Congo puisse changer. Donc je comprends cette frustration. Maintenant, le message que je peux leur adresser, c'est que maintenant, il faut comprendre que nous sommes dans une autre ère. On dit que notre combat est spirituel. Dans la spiritualité, il faut surpasser l'envie des hommes. Il faut surpasser la réalité des hommes. Il faut voir loin. Donc ceux qui sont de l'autre côté, regardez loin. Ce Congo-là, on a réussi à ouvrir une petite fenêtre, un hublot, si je peux appeler ça ainsi. Si ceux qui te cotinent à quatre questions ne s'immiscent pas à l'intérieur de cet hublot-là, on ne pourra jamais le faire et le Congo partira.
Et c'est ce que le RCK veut faire aujourd'hui. On va s'immiscer dans notre Congo parce que c'est la terre de nos ancêtres. Et du petit coin où on sera, où on atterrira, c'est de là qu'on commencera à nous battre et à continuer le travail qu'on a fait ici au niveau de la diaspora, conscientiser le peuple congolais, mettre en avant les droits humains, mettre en avant la responsabilité de tout citoyen pour la reconstruction de son pays et enfin chasser l'occupation. Je crois que les élections s'est passé. Regardons de l'avant. Parmi tous les combattants, je tape surtout sur quelque chose. On se disait, tout le camp moyen de infiltrer le régime autocoïssant. On ne pouvait pas. Tout le monde qui était ici en Europe avec nous, qui était à Kinshasa, tous sont devenus des collabos. Aujourd'hui, par la force de la diaspora, la CLC aussi, les catholiques, et tout le monde, vous les journalistes, on a contribué par des mouvements de masse. Kabila a organisé l'élection parce qu'il ne voulait pas. Ce n'était pas dans sa force, c'est la force du peuple que nous avons organisé l'élection. Et Félix l'a remporté. Tout ce que moi je peux dire aux gens aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre que c'est le temps de la reconstruction. Tous ces blablabla, Félix, dans deux mois ou trois mois, il va consommer déjà un an. Il lui reste 4 ans. Vous voyez que ça passe vite. Nous devons taper sur Félix, sur son comportement, ou sa, non, pas sur son comportement, sur sa gestion. S'il ne travaille pas bien, on manifeste. C'est comme ici les Gilets jaunes qui contestent Macron. Mais s'il est en train de bien travailler, je ne vois pas pourquoi nous devons le combattre. Parce que s'il travaille bien, c'est pour notre propre bien. Donc, Félix, jusqu'à présent, sa gestion répond aux attentes de la population. Et je demande à tous mes amis combattants d'hier de nous rejoindre dans cette dynamique. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous nous connaissez très bien, je suis quelqu'un de droit. Donc, c'est moi qui serai le premier à taper sur lui. On le sait bien que ce qu'ils sont en train de revendiquer aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Par rapport, et ils veulent voir l'amélioration, les changements au niveau de la justice, les sociales. Donc c'est quelque chose qui va venir avec les temps. Mais la meilleure des choses, il faut le faire avec toute intelligence. Ça ne sert à rien de déplacer des langages. La violence, ça ne sert à rien. Bon, mon frère, je suis un combattant qui peut pendant 19 ans. Mais le lot, je suis un homme, je suis un homme. Félix Kualuzo. Amen. Merci. Moi, ce que je vais leur dire seulement, ne soyez pas seulement des contestataires irresponsables, mais contestez avec des propositions qui permettront d'améliorer les erreurs que nous allons faire. Tu vois? Parce que si leur contradiction, leur contestation ne parvient pas à améliorer les erreurs que nous faisons, mais nous allons faire, alors ce n'est même pas une opposition. L'opposition n'est pas là seulement pour dire non, nous ne voulons pas. L'opposition dit non, nous ne voulons pas, mais nous proposons telle chose. Voilà. Je pense que s'ils sont dans l'opposition, moi je les souhaite qu'ils soient dans l'opposition comme il faut, mais qu'ils construisent avec nous le Congo ensemble. Paris est tombé, quoi. Bon retondi, plein à craquer, bon retondi. Vérité des urnes, yango oyo. Merci Seigneur, nous avons besoin de vous. Tosepeli Mingi, Tomoni président Abisso, en tout cas la maman Denise, Toyambi est vraiment bon à Paris, Bisso toi bon à Paris. Donc Toyambi est un démon à Moukiété. Mais là, tu es aussi la président Abisso, la maman Denise. C'est un problème, il y a douane, il y a matade, il y a boma. Et puis, il y a un foutu, il y a un montant, il y a un Afrique Mobimba. Donc, il douane le plus cher à Congo. Ah, qui tisse la bise au caca douane. Na minute to lingito baka na ba congolais nyonso bazovana na ba distraction au lieu bazala na ba distraction bakende na nos classes batanga po chilo mwaza na beza ba diaspora chilo monde mokonzi ya Congo soit béni papa ba diaspora nyonso ya Angleterre to lingio ya trop les lots vraiment toza très très content parce que message apesi on dirait yeba ki ba posa za na mitema na biso do ba commentaire mingi ya rosala te ba voyage ata sale yango 1 million. Ils ont bon intérêt na biso toza d'accord na ye. Alors papa yo moko moni ba mama makasi hein. Oh ils à Londres papa, Londres. Zone rouge, place combat et banda défaité donc. Il y a pas de commentaire à faire. Bon là c'est pré li présent le bi bien à mon amboka to kumisa ye, mais na lingunde réseau équateur et a fouti. Bon yo mo ya rendez-vous. Atolinga bon sango.
atia banzela ba masua ba camion les gars. Botalangé lisez na sali 36 ans mboko na lembi mboko yo 36 ans nangina zonga mama mwana mboka komi mokonzi nangina zonga nangana mboka nangai fongola douane papa to zobilo to zonga mso na kisasa to lembi na biso mboko yo to lembi. Voilà, les couples présidentiels quittent la salle de Dockefeller où s'est réunie la diaspora congolaise. Selon les programmes, les couples présidentiels sont invités ce soir au dîner officiel organisé par le président français Emmanuel Macron. La diaspora ici présente se souviendra très longtemps de ce moment de communion avec les couples présidentiels. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant découvrir comment a été financé cet événement. Nous n'avons reçu aucune somme d'argent. Personne ne va soulever le petit doigt pour dire qu'il nous a donné un euro. Non, nous nous sommes cotisés pour l'organisation heureux de cet événement. Nous sommes organisés avec nos propres moyens pour que le président soit accueilli dans la dignité, au nom du FCC, au nom du Front commun pour le Congo, parce que nous sommes en coalition, donc nous nous sommes suffisamment attelés pour que ça soit une réussite. Combien vous avez gagné? Dans termes l'argent, bon, on n'est pas payé. Mais pourtant l'argent est sorti. On a entendu que l'argent est sorti, mais bon, voilà, on ne l'a pas eu. Mais pourquoi vous n'étiez pas payé? On oublie ça comme question. On n'a pas été payé parce qu'on ne l'a pas demandé. On n'a pas besoin aussi qu'on soit payé. Certes, on a entendu qu'il y a l'argent qui est sorti, mais on ne l'a pas vu, justement. Merci beaucoup. La prochaine fois, de toute façon, on n'a pas travaillé pour être payé. Bon, voilà. Merci. Mais qui a géré l'argent? Je ne sais pas. Qui est arrivé? Mais qui a payé les factures? Je ne sais pas. Mais qui a payé la salle? Ceux qui sont venus à Kinshasa, on n'était pas là quand ils ont payé tout ça. Mais ils ont payé ce qu'ils devaient payer. Non, ils n'ont pas tout payé ce qu'ils devaient payer. Ils ont payé. Mais comment vous. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont payé. Donc vous ne savez pas s'ils ont payé ou pas payé. Ceux qui n'ont pas été payés sont venus vers moi. Mais comment vous savez que ces gens-là ne sont pas payés? Comment vous pouvez les justifier? Parce que vous ne savez même pas quand ils sont payés, qui les paye. Attendez. Vous n'avez pas listé les gens qui doivent être payés. Vous n'avez pas fait un budget. Non, nous avons fait un budget. Ok. Donc, vous voulez que je rentre à la profondeur des choses. Je vais vous faire tout ça. Ouais. Le budget était de 40 000. Pour, d'accord. Pour 200 personnes, pour chacun, 200 euros, 40 000. Mm-hmm. À la réunion, ils ont accepté. La deuxième réunion, ils ont dit non, on coupe la poire en deux. Mm-hmm. On va payer que 20 000. Donc 100 pour par personne. Après, ils ont appelé le monsieur Issa, ils lui ont donné 10 000. Issa a payé avec ces 10 000-là quelques personnes. Il restait encore un autre paquet. Puisqu'il y avait encore tout ce qui était, toutes les dames qui étaient dans l'accueil, l'organisation. Dans l'accueil et tout. Après, ils l'ont appelé, ils lui ont donné 7 250. Il reste encore 2 500 qui n'ont pas payé. Après, ils sont partis. Donc aujourd'hui, la présidence doit encore de l'argent à... Moi, je ne parlerai pas ainsi. J'ai mon président que je respecte beaucoup. Il m'a demandé combien il faut. J'ai fait une note, je lui ai donné quand on s'est vu. C'est à lui maintenant de voir
ce qu'il va faire. Mais comment on peut être certain que quand cet argent arrivera, si le président répond positivement, que vous, vous allez aussi transmettre cet argent? Vous savez, regardez mon âge. Je ne suis pas un jeune garçon. Je suis à l'IDPS depuis. C'est moi qui sortais l'argent. Ce n'est pas l'IDPS qui me donnait, c'est moi qui sortais l'argent. Ce n'est pas pour ces miettes-là que moi je vais me suer, devenir vulgaire. S'il me donne, il me donne le pouvoir de pouvoir le distribuer, vous en aurez des nouvelles. D'accord. Nous sommes invités à la Courneuve, au restaurant La Table d'Animave. Une semaine après la visite de Félix-Antoine Tshisekedi en France, la communauté congolaise de France s'est donné rendez-vous pour partager un repas d'amitié. En tout cas, circonstances hautes, Koutanango Awa, Yalelo, ils allaient pour tout partager, moi, mon qui est suite à combat au Toutinango. Toti na komba moko ya makasi ko préparer ko ya mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala ki facilité, faut l'avouer, ezala ki facilité to banda ki yango au moins 2 mois avant, juste après passage na à Bruxelles. Donc on s'était dit que faut to banda yango siko parce que terrain oyo ezala ki terrain moko mobulu mwa mingi. Donc, nous vous remercions et nous disons que nous sommes tous Africains et nous irons de l'avant. Le Congo, dans 10 ans, comme l'a dit le chef, ce ne serait pas pareil. Nous sommes forts et sereins et nous irons de l'avant. Merci. La rencontre déjà par la grande conférence du 11 novembre qui a eu au Doc Eiffel, c'était une rencontre, comme je l'ai dit, très chaleureuse. Le peuple congolais voulait entendre Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi a été à la hauteur. Je pense que le discours qu'il a donné à Paris était un discours qui était satisfaisant, était un discours qui venait du cœur. Ce que nous avons pu noter, nous étions dans les premiers rangs, nous étions dans le carré VIP, donc on a pu voir qu'il n'avait pas de notes, qu'il n'avait pas de discours préparé. Donc ça venait vraiment de la chaleur du moment, si je peux dire, de l'impression du moment qu'il a eu. Et d'ailleurs, il l'a dit, que c'est maintenant que je me sens vraiment être le président de tous les Congolais. Puisque dans cette salle-là, il n'y avait pas que les gens de son ethnie, il n'y avait pas que les gens de l'IDPS, il y avait l'ensemble de la population congolaise. Nous avons 4 régions, 4 grandes régions, je peux dire, par rapport à nos langues. Et également, nous avons aussi les Africains, comme je vous ai dit, qui étaient venus aussi massivement soutenir et entendre ce que le président avait à dire. Nous retenons que le chef de l'État a été accueilli avec suffisamment de dignité, de considération, et il y a eu toute la diaspora autour de lui pendant cet événement. Donc nous pensons que ce bilan a été très positif parce qu'il nous a aussi assuré qu'il a été satisfait de cette visite. Donc, si vraiment nous voulons reconstruire notre pays, ne restez pas éloignés du centre de la reconstruction. Venez avec nous, nous écoutons, nous avons les oreilles bien grandement ouvertes pour entendre vos suggestions, vos contestations ou bien vos mots d'ordre. Nous allons en tenir compte et faire en sorte que le Congo soit le mandat plutôt de notre président, qui est le président de tous les Congolais, puisqu'il n'est plus président de l'UEPS, ni non plus président d'un groupe, il est président de tous les Congolais, que ce mandat-là puisse réussir pour nous tous, pour le bien de nous tous. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. D'abord, c'était une grande réussite pour nous. Nous l'avons accueilli dans une grande salle où il y avait plus de 4500 personnes. Et pour la première fois, je vous assure, on a eu ce pressentiment d'être en communion, tous ensemble, derrière quelqu'un qui incarne l'espoir du lendemain. C'était vraiment une ambiance familiale et conviviale, et où, à tel point que le président lui-même a lâché à un moment donné un mot, l'accueil que je viens de recevoir à Paris prouve maintenant et me montre que je suis président de tous les Congolais. Ça signifie qu'il devait... Il voulait absolument passer par Paris pour voir comment est-ce que les Parisiens allaient l'accueillir pour dire cette phrase-là. Et ça nous a beaucoup enchanté. Sinon, tout s'est passé dans le calme et on l'a préparé sérieusement. Avec la communauté congolaise, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et voilà le résultat
Le message que je peux lancer, c'est qu'aujourd'hui, l'ambassade est ouverte. Nous recevons les gens. Ceux qui veulent nous voir, ceux qui veulent prendre rendez-vous avec nous, nous les recevons à bras ouverts. Et il n'y a pas de restriction, mais qu'on respecte les règles comme dans tout, comme dans tous les bureaux, hein, 9h, 9h, midi 30, et puis l'après-midi, c'est sur rendez-vous. Sinon, je souhaite à ce que les Congolais prennent à cœur que c'est leur maison, qu'il ne faut pas qu'ils les détruisent, parce qu'à un moment donné, nos amis combattants, je voulais même mettre le feu à ces bâtiments. C'est un bâtiment qui nous appartient. Hein. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, si nous détruisons ces bâtiments, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient comme pour travailler, ils vont travailler où ? Préservons ces bâtiments, faisons en sorte que... on est en train de faire en sorte qu'on les soigne les plus... que ce soit quelque chose de convenable pour accueillir tout le monde. Ainsi, après Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Je tiens à remercier le chargé d'affaires, son Excellence Monsieur Jean Tabou, les ministres et conseillers, Monsieur Raymond Chimba, les personnels de l'ambassade, les associations et les partis politiques qui ont bien voulu participer à la réussite de ces documents. J'espère que Voici Maintenant Paris vous a renseigné sur la visite du couple présidentiel ici à Paris. Beaucoup de choses sont encore à refaire. Ce qui est fait n'est que le commencement. Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Merci à Fossé Massola pour son assistance. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre chaîne YouTube Classe Affaires. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la fabrication de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Et sans oublier Triphase Protection pour son soutien appuyé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.